Voilà le premier tir, rondelle disponible qui a complètement rebondi sur le gardien. Malheureusement pour Val-d'Or, il n'y avait personne. Et là, il y a une ouverture. Le tir, arrêt de Jonathan Lemieux. Quel travail. Retour contrôlé par Guenette. Voici le 29. Laisse pour Ducharme. La rondelle est passée là, par-dessus son bâton. Et Abramov va s'amener. C'est dangereux. La feinte, le tir. Et quel arrêt! Jonathan Lemieux, la mitaine. Il a bien suivi le joueur vedette des Tigres pour le frustrer. Quel arrêt de Jonathan Lemieux. Et quand on parle d'un arrêt clé, bien ça... Les Tigres s'amènent. La passe qui manque complètement de précision. Et là, c'est Tchaïkovitch. Ouverture pour le joueur des Foreurs. Son tir. Il allait à la patinoire. Tentait de surprendre le gardien entre les deux jambières. Et la porte s'est fermée. On va donc reprendre. Les gens qui le gagnent. Spence, feinte de tir. Pelletier. Et là, c'est stoppé en défensive par Sivigny. Et ça semble lui avoir fait mal. Poulain. Dans l'enclave, Pelletier! Le capitaine! Et c'est 1 à 0, les Foreurs en avant! Quelle patience! Et Sivigny, ben, se tord de douleur pendant ce temps-là. Je sais que le règlement est stupide, mais il retourne. Il n'est pas en danger de mort. On le voit, c'est son genou gauche qui semble avoir reçu la rondelle. Vous le voyez pas, je vous décris. Mais bon, une image vaut mille mots, on regardera ça. Rondelle disponible là, dans l'enclave, encore une fois. Oh, Villeneuve qui avait perdu son capitaine. Oh! Le tir, ça a frappé, je pense, une partie de l'équipement du gardien de but. Le jeu se poursuit. Légaré. Oh, bien joué du côté des Tigres. Là, on est en mesure d'orchestrer la relance là-dessus. Pellerin. La passe à Kalmykov. Qui se bat un petit peu avec la rondelle. Dans l'enclave, son tir et le but! Oh, et là, on a profité d'un revirement. Joueur des Tigres s'est amené. C'est Coulombe, celui-là. Ramène tout le monde à la case départ. C'est 1 à 1. Oui, sur le septième tir contre la cage de Jonathan Lemieux, on voit la séquence. Patiente utilise la clôture pour la sortie de zone. C'est bon pour Pelletier. Le voici, 2 contre 1. Son tir arrêt, rondelle toujours disponible. Tchaïkovitch se bat. Element, son tir, ça a frappé le patin de Bocage. Et là, il y a un 2 contre 1 qui se dessine. Voici Légaré. Son tir arrêt de la mitaine, rondelle toujours disponible. Ça a effleuré, en fait, le gant du gardien des Tigres. Légaré, à nouveau, gaucher. Revient sur lui-même, se cherche une option. Ça devient Spence. Fin de tir. Oh, quel arrêt! Ça a frappé, je crois, le bout de la jambière de Hurtubise. Défenseur, on pourrait percevoir. Element se retourne, un tir vers le filet, ça rate à la gauche de Jonathan Lemieux. Rondelle qui appartient maintenant à Bocage. C'est dangereux, le but! Quelle Et passe. C'est Daigle qui complète le travail de Bocage qui l'a repéré avec une passe sublime du revers. Et les Foreurs tirent de l'arrière 2 à 1. 54 secondes d'entrée de jeu en troisième période. Victo s'installe dans le siège du conducteur. Quelle passe de Bocage. Justin Robida, encore une fois, une bonne pression du joueur des Tigres sur le porteur. Légaré son tir! Oh, qui s'était dégainé rapidement. Ça a donné de la misère au gardien Hurtubise, rondelle toujours. Voici Frenette. Décoche un tir, ça a dévié ou changé de trajectoire là, sur le défenseur Villeneuve et Abramov qui avait été oublié dans l'enclave. Arrête Jonathan Lemieux. Spence, la passe à Thomas Pelletier. Il a levé les yeux, la rondelle qui demeure dans ses patins. Et là, il est seul. Le tir et le but! Aïe, aïe, aïe! Revirement coûteux. Et c'est Tardy qui vient faire 3 à 1. Les Tigres profitent d'une bévue en défensive pour prendre les devants. Regardez la reprise. Malheureusement, Pelletier qui a fendu l'air partiellement. Et au même moment, il a eu l'opportunité, vous le voyez, de se reprendre. Il y avait un joueur derrière qui est venu battre le mieux. Avantage numérique, Victoriaville, leur deuxième. Abramov, la passe, on redirige. Arrêt de Lemieux. Dégagement qui est raté. L'autre tir d'Abramov, est-ce que ça a touché Guenette? Je pense que oui. Donc, 10 secondes découlées de ce jeu de puissance et les Tigres sont en feu. Oui. Solide match, Abramov, là, ce soir. Poulain, tir, arrêt de la jambière, c'était bien pensé.